c'est tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Borderlands Pre-Sequel sur PC, toujours tout seul. Donc la dernière fois on s'était arrêté ici, pardon, après avoir sauvé le Dr. Torres, et il nous reste à sauver un scientifique. Et avant de finir cette mission, donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, parce que moi oui. C'est super! Moi je vais y aller! Merci de m'avoir sauvé! C'est bon pour les docteurs Langlois et Torres. Il te reste à sauver le docteur Grayson et on pourra abaisser les défenses de l'œil d'Hélios. Et sinon, ça sert à quoi cet endroit? Ce département de recherche fabrique des armes, des lasers, des occulteurs. Tout un tas de trucs rigolos. Les méchants ont des flingues toujours plus puissants. Alors, faut savoir anticiper. Voilà. Celle-là, elle fait du mal, elle fait du bien. Salut, bon ben, je m'enfuirais bien, mais il se pourrait que j'ai laissé échapper ma carte magnétique et qu'un rôdeur l'ait englouti. Tu pourrais la retrouver et me faire sortir d'ici? Donc, t'as perdu tes clés. Hey, j'ai un doctorat en expérience éridienne. Pas en je tire mes clés sans les faire tomber. Y avait pas ça comme diplôme dans ma fac. Oh le mongol. Bon. Le docteur Grayson met au point la technologie d'occultation que je compte utiliser avec les snipers d'Hyperion quand elle sera prête. Imagine un peu. Ils s'installent, ils deviennent invisibles, et là, les méchants comprendront pas ce qui leur arrive. Enfin, je veux dire, ils comprendront bien que c'était une balle, vu qu'ils seront tout troués. Mais bon, tu vois quoi? Ah, c'est génial! Voilà. Et voilà, suivant. Voilà, ce qui est fait. Texte. Ah voilà. Ah, je dois tous utiliser ça. C'est le rôdeur qui a mangé ma carte. Tue-le. Super. Laisse-moi sortir d'ici et j'irai directement dans le bureau de Jack pour qu'on abaisse les défenses d'Hélios. Voilà, elle est pas difficile celle-là, elle est très facile. Moins long que les deux autres. Si tout se passe, s'il y a que ça, bien entendu. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va y avoir quelque chose qui va pas marcher. Un peu de moi là, comment? Et pourquoi il est obligé de voir ça là-bas? Comment il a fait pour descendre jusqu'ici? Merci en fait pour ton aide. Je vais désocculter la sortie. C'est un bouclier occulteur portable, ça? Oui, j'ai fait ça en glande de rôdeur pour Jack. Je l'ai fait ressembler à sa montre gousset. Tu pourrais lui donner? Oups. Pourquoi je suis pas surprise? Bon sang, j'arrête pas de trembler! Merci de pointer mes problèmes du doigt! Bande de cons! Bon travail! Maintenant que tous les scientifiques sont sauvés, on va pouvoir t'aider à atteindre le laser. Je te retrouve au bureau de Jack. Ok. Gladstone, pourquoi est-ce que Zarpedon contrôle toujours les défenses d'Hélios? On a coupé le brouilleur sur Elpis. Les chasseurs de l'Arche devraient même pas être en train de vous sauver le cul à tous pour te permettre de désactiver le bouclier. Si je puis me permettre. Il se pourrait que Zarpedon ait avec elle un deuxième brouilleur plus faible. Voilà. Direction le bureau de Jack. Enfin de Jack, pardon. Pas de Jack. Pas une mission. Alors, quelle est cette mission annexe?
Ah, tout ça à faire. Ah, d'accord. Edith, j'ai mené ma petite enquête sur vous, mais genre une enquête cordiale, hein, pas suspecte. Et ces fichiers sont dans le terminal central. Juste au cas où certains de ces salauds de chez Dahl survivraient à ça, je voudrais pas qu'ils se mettent à vos trousses. Alors bon, bah, trouvez-les. Ok, bah là, il y a quelques missions annexes à faire, donc je vais faire une toute petite ellipse, le temps de tout faire les missions. Et on se trouve juste après. Allez, ellipse. Et me revoici, donc j'ai fait les quêtes annexes et voilà, on continue. L'aventure principale. Les quêtes annexes n'étaient pas grand chose. Roland et moi, on a dû se battre pour traverser tout Helios. J'espère que pour vous aussi, c'était un peu la misère. Ah, les scientifiques ont désactivé les défenses vers le laser. Mais j'ai encore un dernier truc à régler avant de t'envoyer là-bas. On va discuter un peu. J'espère que ça en vaudra la peine. Ah ouais, cool. Un occulteur? Merci, docteur. Toujours en vie, grâce à toi. Je ne t'oublierai pas. Mais non, c'est toi qui es top. Vous tous, même. Vous avez désactivé les défenses pour accéder à ce gros laser. Bon, on va découper tout ça. Mais je vais appeler mon vaisseau de secours personnel pour vous faire filer d'ici. Chasseur de l'Arche, appuie sur ce bouton. Où est-ce que j'ai... Ah, voilà. What? Je fasse quoi? Ah, faut que j'appuie là. SAS verrouillé. Préparation à l'évacuation du contenu. Changement de programme, les enfants. Le docteur Gladstone vient de m'informer que l'un de vous travaille peut-être pour Sarpedon. Peut-être, j'ai dit peut-être. C'est la vie de centaines d'innocents qui est en jeu, les enfants. Je peux pas risquer ça. Qu'on me tire une fois dans le dos, soit, mais deux fois, alors là... Sachez que ça me fait autant de peine qu'à vous. Hein? Jack, non! Ah, d'accord. Oh, il y a du sang. Oh mon dieu. C'était étrangement plaisant. Enfin bref, on va discuter. On peut accéder à l'œil d'Helios. Traverse le hall intérieur pour le rejoindre et ouvre le réseau de voyage éclair que je puisse tout couper. Roland et Lilith, restez là et protégez mon bureau. J'aurai peut-être besoin de m'y réfugier plus tard. Je crois qu'on a un plan. Roland, il vient de tuer. Je crois qu'on a un plan. On se revoit à ton retour. Tu sais, si je m'étais débarrassé de ces scientifiques... L'un d'eux aurait très bien pu réactiver les défenses au moment où tu passais. Et tu aurais fini comme un steak trop cuit. Pense-y. Ces gens étaient terrifiés. Ils n'auraient rien fait du tout. Alors. Chacun son avis, hein. Rejoins notre extrémité du hall intérieur et on pourra désactiver l'œil d'Helios, Moxie. Attendez, c'est une mission secondaire, ça? Ok, bah, petite ellipse encore pour faire celle-ci. Allez, hop là. Et donc, me revoici encore une fois. Désolé pour toutes ces coupures. On attaque les forces. Elles sont vraiment pas intéressantes, les quêtes next, là, elles étaient vraiment pas intéressantes. Aller chercher un truc là-bas, faire un truc par-ci, par-là, rien d'intéressant. Continuer en accédant au tunnel menant Endelios. Voilà. Ces tunnels auraient accueilli un système de navette ultra rapide si on n'avait pas arrêté les travaux. Cela dit, ce tunnel-ci mène tout droit à l'œil d'Helios. Ça va secouer, mais tu devrais te faire un choc. Exécution de la manœuvre. On lance l'assaut. Allez, Hervé. Voilà. Bon, ça va jeter. C'est parti, on y va. Voilà, Vendelios. Cette zone de la station a été victime d'une sorte d'infection il y a 2 mois. On l'a entièrement coupée du reste d'Helios. Il n'est pas exclu que les ouvriers soient devenus un peu... cannibales sur les bords. Maintenant j'ai pris une compétence qui me soignait quand je saigne des personnes.
ça. Là, normalement, je vais faire la vie. Je récupère pas assez, donc on va faire comme ça. Atteint de bubonite spatiale. D'accord. Ça s'appelle comme ça, donc la bubonite spatiale. Les infectés, les autres ouvriers les appellent les pustules. Ouais, ils ont une sacrée rage et ils adorent la chair humaine. T'approches pas trop. Je suis désolé. Voilà. Ma mission serait ici. Ouais, ils sont intelligents pour désinfecter par là. Plutôt prendre ça, c'est mieux. Faut-il savoir viser? C'est pas si dur. Bon allez, ça. Les autres ne font aucun dégât. Exécution de la manœuvre. Des munitions. Vous n'avez rien trouvé d'intéressant? Ah, ça c'est des armes. On peut arranger ça. C'est toujours un plaisir de prendre votre argent. Merci pour l'oseille. Que ça t'aide à je suis sûr qu'on se reverra bientôt. Voilà. Allez, let's go. Bienvenue dans la zone de maintenance. C'est pas terminé. Le bâtiment central est occupé par Dahl, mais c'est la seule voie qui permettra d'atteindre l'œil. Je t'indique l'entrée sur la carte. J'active des robots ouvriers pour t'aider. Ok. Suis les robots ouvriers, ils te mèneront jusqu'à la sortie de la coque. Hé, ok. Position de concentration. À l'attaque! À l'attaque! En position de tir! Touché! What? Bouclier activé! Non! C'est pas possible! L'utilisateur Jack a été déconnecté du contrôle des robots ouvriers. Jarpedo! C'est vraiment un nom débile, mais ça fait un beau hurlement. Bon bah, t'as plus qu'à te débrouiller. Essaie de traverser la coque alors. Trois panneaux. Boum! Voilà. C'est pas ton combat! C'est bon les gars. Ok. Meurs avec honneur. Vas-y, c'est par là que je vais aller. Je
Oh non. Oh bordel, je l'ai tué avant que je tombe comme ça. Je suis dégoûté. Bon, je l'apparais où? Ah bien sûr, j'apparais si loin. Oh là là là. Pff, c'est chiant. Allez, go. On recommence, trop bien. Mercenaire d'Hyperion repéré. Alors ici. Voilà. Maintenant, on redescend encore d'un niveau. Hop là. C'est le moment que je réponds. Neutralité à l'ennemi. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien? Ok. On y retourne, on redescend. On redescend. Ça c'est le one shot au moins. Nouvelle arme en fait. Ouais, rien de bien intéressant. Alors l'autre côté, y'a quoi? Ok, y'a rien. Faut juste prendre les munitions. Voilà. Et let's go pour continuer. Encore 20 minutes de vidéo. Ok, rien par là. Prudence, entrez dans le vide. Les ennemis. Et ouais. Rien ne pourra nous arrêter. Qu'est-ce que je fous moi encore? Et voilà dans toute l'action. N'importe quoi. On se laisse faire. Hein. Utiliser toutes les plateformes de sauvegarde. Il y en a une qui est cachée sous le budget. Trésor, il paraît que tu essayes de couper le laser. Oui, c'est l'idée. Arrête un peu avec les trésors, tu veux bien? Écoute, je sais pas ce que tu comptes faire, mais ça marchera pas. Un laser aussi gros et surtout aussi puissant, le colonel l'a forcément piégé pour que toute la station explose si jamais tu essayes de le désactiver. Elle aurait pas...
Bien sûr que si. Oh bon sang. Mais comment ai-je pu être aussi naïf? Heureusement que t'as une pro de la mécanique dans tes rangs, Trésor. Je vais t'aider à couper le laser en douceur, tranquillement, sans explosion. Merci, Moxie. C'est vraiment cool. Je t'envoie les plans tout de suite. Très bien. Voilà ce qu'on va faire. Roland et Lilith, rejoignez le réacteur de la station. Jack, je veux que t'ailles à l'œil d'Hélios avec tes chasseurs de l'Arche. Quand tout le monde sera en position, on devrait pouvoir couper le laser et sauver la Lune. C'est fou ce que t'es sexy quand tu causes technique. Je sais. Bon bah on redescend, hein. J'ai fait n'importe quoi là. Ah, quand on redescend, il faut déjà remonter. Lâchez. Oh, Edge. Oh non. Je peux survivre à n'importe quoi. Ciao. Par là. Et c'est bon, on y arrive. Je fais pas le défi pour le moment, je le ferai en vidéo sûrement. Encore mourir. Ah. Il reste plus personne bien entendu à part lui. Allez, vas-y. Putain. Fais chier. Si vous le pouvez, allez, faites-moi rire. Faites-moi rire, où est-ce que je suis? Ah, ça va, c'est juste là. Putain, ils ont été généreux, hein. Parce que si je reprenais depuis là-bas, je sens que j'aurais pété un câble. Depuis là où on a repris tout à l'heure. Casse-toi. D'où ils sont niveau... D'où ils sont niveau 22? C'est une mission niveau... Niveau 21, quoi. Ah, ça va, là c'est plus logique que tout à l'heure, parce que tout à l'heure... Voilà. Il y a pas mal de soldats de Dalle dans la zone de maintenance. Tu passeras pas sans combattre. Ah là là là. Venir, ça n'est pas tellement pas logique qu'on voit les balles comme ça. Quelqu'un a vu ça?
de munitions, donc je vais avancer. Qu'est-ce que tu veux? Petit lag encore et toujours. Mais non, je dois le choper. C'est quoi cette blague? Il faut vraiment que je reprenne du stuff. Oh non, non, je vais mourir. C'est vraiment n'importe quoi. Je peux survivre à n'importe quoi. Je me referai du stuff parce que là c'est n'importe quoi. Ça tenait de quoi, tu disparais pas quand on mettrait mort. Bon. Munition, munition, munition. C'est pas des munitions. Bon. Ce tunnel mène droit au laser. Continue. Mets la pâtée à ces hommes de la Légion. On y est presque. Donnez la position, je te coupe. Merde. Voilà, allez. Faites exploser les charges. Prudence, environnement à atmosphère nulle. Mais enfin, oui. Tu vas bien? T'as rien? Ça va. Et maintenant? On doit trouver un autre moyen d'accéder au laser. Ok, pourquoi pas... Si on déclenche une réaction en chaîne dans les conduits à plasma, on fera un trou dans la station et tu pourras y grimper pour atteindre le laser. Tu vas devoir détruire les régulateurs de plasma. Trouve-les. Wow, wow, wow! J'ai bien entendu. Tu veux faire un trou dans la station? Non mais ça va pas. Ah, oh, ça a l'air complètement irresponsable, pas vrai? Vous devriez probablement me renvoyer. Oh! Mais attendez! Ça sert à rien de te battre! Tout pour la Légion! Voilà. Sérieux là? Voilà. Ouh là là, c'est pas facile hein. Vraiment du nouveau stuff. Phase de décompression explosive. Essaie de pas te faire aspirer dans le vide sidéral. Voilà, un de moins. Détruis le deuxième et je pourrai faire péter des trucs. Voilà. Yeah. Tu me prends pas toi. Tu vas juste mourir. Sautre. Ah, c'est joué, tu vas exploser et puis c'est tout. J'étais bien préparé. Ah mais non. La défaite n'est pas dans mes gènes. Et arrête avec ton générateur. Super.
je l'attends, s'il te plaît pas. Ça marchera pas, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors que j'utilise ça plus tard. J'étais bien préparé. Bon, allez. On va l'utiliser plus tard. Je sais pas où on est à 2% du jeu là en fait. Seul truc. Je sais pas si on est proche ou loin de la fin. Voilà, je prends les baskets et tout. Comment ça, je t'avais pas de dégâts, mais tu me fous de moi. Je ne crains pas les attaques. Pourquoi c'est une grosse blague? Je suis près de mon côté. Éloigne-toi un peu pour te protéger et fais-moi signe. Je vais te dégager un chemin vers le laser. Ah là là, on est suffisamment loin. C'est bon, t'es assez loin? Super, alors c'est parti. À la une, à la deux, à la... Attends! Attends! Kaboum! C'est quand même sympa de tout bousiller sans se poser de questions, je dois dire. La voie est dégagée. Va au laser! Déjà de ça. Bon, comment je peux aller au laser là? Ah là. Ah, ici! Ah voilà. Quand on veut. Voilà. Voilà le centre de contrôle, Trésor. Tu devrais pouvoir couper le laser depuis là-bas. Hey, faut que je teste les porteurs. Du coup, j'en ai déguisé quelques-uns en robots de maintenance. Fais pas attention à eux. Eh bien, nous allons nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Surtout, vous abonner à la chaîne. C'était TheZDead.HD. Passez une bonne journée, bonne soirée. Et des jeux vidéo.